Bonjour. Bonjour. Enchanté de vous connaître. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux, trois mots l'objet de votre présence au Maker Faire? Ok, aujourd'hui, nous sommes venus à présenter le FretX, ou FretX en anglais. Et le FretX, c'est un outil qu'on vient poser sur la manche de la guitare et qui va nous éclairer dès qu'on tape sur une application mobile. Il va nous éclairer la position des doigts où on doit poser, avec la position des doigts sur la manche de la guitare pour consacrer un accord. Donc, soit des accords, soit des chansons qu'on peut apprendre plus facilement qu'à regarder les partitions. D'accord, donc du coup, on est vraiment dans l'esprit maker, voilà. C'est-à-dire transmettre un savoir. Exactement. Donc, j'imagine que le public était assez réceptif. Oui, tout le monde il était super réceptif, tout le monde super content. Ils ont essayé le produit. C'est un produit qui sort de notre esprit maker aussi, parce qu'on l'a créé avec dans un Fab Lab. Donc, tout fait en maison, en tout cas. Et aussi, c'est bon, voilà, pour un produit qui permet aussi d'apprendre en faisant à jouer la guitare pour des autodidactes ou des profs aussi qui veulent apprendre à jouer à ses étudiants. D'accord. Et autrement, donc, vous venez d'Argentine. Oui. Est-ce que vous avez déjà participé à une Maker Faire américaine? Non, en fait, c'est la première fois que je participe dans une Maker Faire. Et c'est à Paris, à Lille, il n'y a pas, mais bon, voilà, c'était une excellente opportunité pour partager les savoir-faire de chacun et nos compétences, les produits qu'on fait et partager avec tout le monde pour créer de nouvelles choses tout le temps. Et est-ce que au niveau justement professionnel, ça vous a apporté quelque chose? Oui, beaucoup, parce que bon, déjà on pense à faire les produits entrer en incubation bientôt et essayer avec des gens, avoir des échanges avec les makers et les publics, c'est super important dans cet stade. Ok, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.